J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bonjour aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Si c'est pour toi la première fois de visiter ma page YouTube, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker, à partager. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog qu'on a réalisé, mon mari et moi, lorsque nous étions allés au Portugal. De base, c'est notre lune de miel. On voulait aller à Zanzibar, sauf qu'on s'est pris grave en retard avec les billets. Bon, mon intro, elle est assez longue. Je te laisse tout simplement regarder. A plus! Enfin, on est en route pour partir en vacances. Les préparatifs étaient super longs. Ce matin, encore à la dernière minute, on a encore fait nos valises, etc., etc. Mais bon, le plus important, c'est qu'on est prêt. Voilà le résultat final de ma coiffure. Monsieur aussi s'est fait coiffer. Claire, elle avait trop mal. Ça va, t'as pu dormir? Ouais, ça va. C'est pas trop chiant? Non. Première fois, il se fait des tresses. Je lui ai dit, coupe tes cheveux comme tout le monde. Hein. Je veux des nattes. Claire, elle a failli pleurer et tout. Donc là, on est prêt, on va aller à Zaventem. Enfin, on est dans l'avion. Ça va? Tranquille. Je viens de manger, j'avais trop faim. Apparemment, on n'a pas le droit de manger dans l'avion, mais là, je suis désolée, j'ai faim. Mon estomac d'abord. L'avion, ouais, il est en retard. Normalement, il devait bouger à 25, mais là, il est déjà 35. On attend. Peace. Tellement charbonné pendant ces 11 mois, bébé, à nous ce mois de békech. Chérie, fais nos valises demain à la destination. Enfin, on est arrivé, tout s'est bien passé, on a récupéré nos bagages. Par contre, j'ai eu une grosse galère dans l'avion. J'étais censée poster le vlog de mon mariage civil. Sauf que j'ai eu une notification pour des droits d'auteur pour une musique. J'ai eu la notification, j'étais dans l'avion, donc c'était chaud pour moi de modifier et tout. Donc j'étais obligée d'attendre qu'on atterrisse et tout, patata, modifier la vidéo vite fait sur iMovie et puis télécharger, bref. Le plus important, c'est que la vidéo soit postée. Et si t'as pas encore regardé le vlog sur mon mariage civil, je t'invite à regarder. Pour poster chaque dé, mon bébé. Bébé, n'oublie pas les combats, y'a cash, sans règles, sans armes. Je vais vous montrer un peu l'appartement. Là, il y a Joanie qui est en train de déballer ma valise parce qu'il a honte de ce truc vert. Ça fait trop blédard. C'est bon, au moins ça va protéger ma valise. Alors, on va commencer par. Donc, on a un petit couloir ici qui donne directement vers la cuisine. Ici, on a un frigo. La vaisselle ici. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a aussi une machine à laver. Une machine à laver. La télé. Ici, on a un petit balcon. Ça donne une vue sur le pont là-bas. Ici, on a la salle à manger. La salle de bain. Elle est super bien. Il y a deux toilettes. La douche. Trop bien. Et la chambre, c'est en haut. Voilà notre petite chambre. Il est quelle heure, s'il te plaît? Il est 20h49. Aujourd'hui, on va pas faire grand chose. On va juste visiter le quartier, histoire de repérer un peu les petits restaurants, tout ça, etc. C'est vraiment demain que notre journée va commencer. C'est arrivé. Hey, ça a coûté grave pas cher. Genre, ça va coûter 6 euros. 6 euros. Du riz. J'ai des côtes de porc, j'ai des frites avec. Trop bien. On va bien manger. Ah, c'est tellement bon que je mange avec les mains. Hello, hello. Aujourd'hui, on est le jeudi. Hier, on a bien dormi. Là, on se prépare pour aller faire un petit brunch dehors. Je fais mon petit gommage avec ceci. Est-ce que vous arrivez à bien le voir? Voilà. Ça va? Le programme d'aujourd'hui, c'est de faire un petit brunch, ensuite aller visiter un aquarium et visiter un peu la ville. Donc aujourd'hui, le programme il est pas trop chargé, c'est plutôt léger. Et puis là, les autres jours, vous verrez bien. Là, on va sortir, on va prendre notre petit brunch. Bébé, regarde. Bébé. Ah.
On va marcher parce que flemme de prendre les Uber et aussi histoire de découvrir un peu la ville. Je crois qu'on sera fatigué, on va bien prendre un bon Uber. Allez, let's go. Ah bah des petits chemins comme ça. Il fait grave chaud. Là je suis en train de monter des marches. La Limbi. Ça fait 5 minutes qu'on marche, elle est déjà fatiguée. T'as vu la montée? Je suis allée en vacances, fais ton maillot, fais ton maillot, fais-moi de l'effet. Je suis totalement en I comme la tour Eiffel. Pardon, laisse-moi te pencher comme la tour de Pise. Hey, hey. Ce mois de On vient de finir dans le brunch, c'était super bon. Là, on est dans notre Uber, on va aller au centre-ville. Et effectivement, ça coûte vraiment pas cher. Là, on est pour une course de 6 euros pour deux personnes. Là, on est dans le centre commercial Colombo. C'est hyper grand. Genre, du coup, quand on est rentré, on sait pas par où commencer. On était en bas, mais je vois qu'il y a 3 étages, donc finalement on va monter, on va commencer tout en haut et on va descendre progressivement. Donc là, on va aller à l'aquarium. Est-ce qu'il y a trop de soleil? Ouais, il y a trop de soleil. Il fait super chaud, c'est un truc de dingue. Mais ça va, il y a du vent en plus à côté. Il y a, c'est quoi, c'est la mer là? Non, c'est la mer ça? Ouais, c'est la mer. Il y a la mer et tout, donc il y a un vent bien frais. Oups. On monte la suite à l'intérieur de l'aquarium. Alors on vient de finir à l'aquarium, c'était super bien. Ça n'a pas duré trop longtemps, mais c'était intéressant. On va rentrer vite fait à l'hôtel, à notre appartement se reposer. Et ensuite, on va aller manger. Beaucoup de risques, on rentre à trois. De visite en visite, de balade en balade, apéro sur un transat santé à nous. C'est la vie que tu mérites, quelle vie si ce n'est cette vie. Sans oublier les jeux du soir, ouais c'est jeux du soir. A quoi ça n'a des ficelles, a quoi ça n'a des ficelles, y'a maman, je vais te faire danser. Ça c'est les techniques. Toujours les claquettes à côté. Et mon gentil mari qui m'enlève mes chaussures. Ah! Enfin, on vient d'arriver à l'appartement. Je vous explique au restaurant. C'était trop drôle. Alors, j'avais un problème avec ma 4G. Et mon mari, il avait oublié sa carte à la maison. J'arrivais pas à capter internet. Et mon mari aussi. Je sais pas si c'était notre réseau qui avait un problème. Mais en gros, on n'arrivait pas à payer l'addition. Parce que, en fait, j'avais de l'argent sur mon compte en épargne et je devais faire un virement, sauf que vu que j'avais pas de 4G, c'était pas possible. Et donc l'addition elle est venue, on n'arrivait pas à payer l'addition, c'était trop la honte, mais laisse-moi, on était gênés. Au final on a appelé la maman Giovanni, d'ailleurs merci maman Olivier si tu regardes ce vlog, elle nous a fait un virement et c'est bon, mais c'était trop la honte. En plus on était les seuls noirs du restaurant, genre c'était un restaurant un peu genre high class et tout. On a grave galéré pour payer l'addition, le serveur elle était là, il nous regardait en mode ok, vous allez payer, vous allez pas payer, mais bon. C'est fait, chose à ne pas faire quand vous êtes en vacances, sortez avec toutes les cartes. Mais après moi je suis en mode ouais mais j'ai peur, imagine on perd une carte et tout, au moins on a une autre à la maison. Vaut mieux juste sortir avec toutes les cartes, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous taper la honte dans un restaurant. Là je vais directement tout régler avec mon application de banque et tout, tout mettre, comme ça demain je vais éviter de me taper une deuxième fois la honte. Alors aujourd'hui on est vendredi. Ce matin on va aller faire du padel. Oh j'ai un bouton ici. Bref, on va aller faire du padel. C'est pas loin de notre appartement. Et ensuite on va aller à la plage. Donc. Let's go.
Hey, comment je vais te battre? Tu sais pas, moi je suis une pro, hein. Padel, c'était trop bien. Bon, je vais vous dire la vérité, j'ai perdu. C'était vraiment bien, on a kiffé. Dans tous les cas, toutes les activités qu'on fait, les restaurants, je mets tout dans la barre de description. C'était gagné, hein, la vérité. Hey, pourquoi t'es contre le succès comme ça? C'est pas bien d'être contre le succès comme ça dans la vie. J'étais trop. À un moment, avoue, à un moment, c'était toi qui étais nul. Ok, j'avoue, je suis nulle, mais à un moment, c'est toi qui étais nul. À aucun moment, j'ai. Bref, là on va repartir à l'appartement, on va prendre une bonne douche, après on va faire un pique-nique à la plage. Ciao, ciao. Voilà la playa, la playa, la playa, la playa. Bébé, je pense qu'on va prendre des chaises, hein. Ou bien un parasol, je sais pas. Parce que ce soleil là, je sais pas pour toi, mais moi, je ne peux pas. Bon appétit. Là, ce qui est bien ici, c'est que les transats sont gratuits à partir de 17h. Et on est arrivé pile à l'heure, on va faire un autre petit pique-nique. Les prix dans les supermarchés sont très bas. La chose qui nous a le plus marqué, c'est que tout est désinfecté. Que ce soit la caisse ou le rouleau, tout est vraiment désinfecté. Si vous comptez aller au Portugal, dans tous les cas, vous êtes obligé de faire un test PCR pour l'aller. Et sur place, vous devez aussi acheter des tests PCR parce que nous, on a été surpris. Nous étions allés dans un restaurant, chicha, cocktail, etc. Sauf qu'on nous a demandé des tests PCR. Malheureusement, les tests PCR qu'on avait, ils avaient déjà expiré. Mais le monsieur nous a gentiment vendu des tests PCR à 5€. Mais vous pouvez également en acheter en pharmacie. Alors si vous avez une barre, ça veut dire que vous êtes négatif, et si vous en avez deux, si vous êtes positif. Nous, on a encore deux tests PCR non utilisés à la maison. Si quelqu'un en veut, faites-nous signe. Alors, ça a été ton test PCR? Ouais, tu l'as fait tousser, t'as bien t'as mis au fond du nez. Non, au fond, d'ailleurs, t'inquiète. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, aujourd'hui, pour le petit déj, on a des œufs avec des chorichons. Je sais pas si j'ai bien dit. Et on va prendre du thé, un peu de pain et de la. C'est de la papaye, hein, c'est ça? C'est ça, même. Ouais, c'est de la papaye. Bon, enfin, avec les moyens du bord, hein, la cuisine, elle n'est pas totalement équipée. Donc, le plus important, c'est qu'on puisse manger. J'avais raison de ramener un défraceur. Là, non. Ça prend trop de place dans la valise. Tu vois, là. Easy. Moi, comme d'habitude, je prends les escaliers. Monsieur, l'ascenseur. Prends l'escalier. C'est très rapide. Si les Uber, ils sont grave rapides, genre c'est nous, on fait attendre le Uber.
Donc au Portugal, ils ont aussi des péages. La seule différence que leur péage, c'est il faut pas stopper pour payer. Ils vont juste faire, ils vont scanner ta plaque et ils vont t'envoyer la facture à la maison ou bien tu dois aller payer à la poste. Mais c'est toujours 2 jours après et nous 2 jours après on sera déjà parti. Donc la dame va nous donner un petit truc qu'on va mettre dans la voiture et on va payer avec ce petit truc là. On vient d'arriver au stade. Regarde parce qu'il a failli tomber. Il vient d'arriver au stade de Benfica. D'ailleurs, j'avais écrit la mauvaise adresse en fait sur Uber. J'avais écrit Estrada. Et moi, je pensais que Estrada, ça veut dire stade en portugais. Alors que c'est la rue. Mais le Uber, il était super sympa. Il nous a ramenés devant le stade et tout. Bon, je vais vous montrer les meilleures images tout à l'heure. Congolais représente 243. On y partout. Attends, c'est qui? Mais je sais pas le nom. Genre. Non, c'est pas goal. Tu te rappelles quand tu te moquais? Oh, Kylian Mbappé, c'est pas mettre un pénalty. Regarde maintenant. Non. Wesh. C'est quoi ça? Je suis blessé. Mais c'est sérieux. On a retrouvé Fali, un frère 4K. Donc Fali, il supporte le Benfica. Il nous a déposé avec sa voiture au centre Colombo, c'est trop gentil. On le connaît même pas, il nous a déposé. Oh, franchement, les gens sont super sympas ici, j'aime bien ce pays. Hein. Je crois que je vais revenir. Arrivé à Chimarrão, comment on dit ça? Comment? Chimarrão. 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 Allez, on va bien manger. On m'a trop parlé de ce restaurant, j'espère que ça sera top. Et Macron, il a créé quelque chose de mauvais. On est arrivé à Chimarrão là et il nous a demandé notre test PCR. Mais heureusement qu'on avait encore, on avait gardé en fait le carton de notre test PCR d'hier et on a juste montré, voilà, il nous a laissé rentrer. Mais je suis choquée. Moi, je savais pas, il faut qu'on regarde en fait s'il faut absolument un test PCR pour aller manger dans les restaurants. On va en acheter un autre. Il y a mes amis, les poissons à côté. Vous avez faim, vous, hein? Dimanche, hier j'ai pas pu filmer la fin de la journée, mais sinon c'est une très bonne journée. Le matin on était parti visiter le stade Benfica, c'était super bien, on a vraiment beaucoup aimé la visite. Après on a voulu aller au centre Colombo pour acheter des souvenirs, mais en fait les magasins ils étaient fermés à 18h, mais le centre commercial il reste ouvert jusqu'à 22h, enfin les restaurants. Après au final on était parti manger à Chimarrão.
C'était bon, les prix étaient abordables. C'était bon, mais sans plus en fait. C'est bien, c'est un buffet à volonté, mais c'était pas très spécial selon moi en tout cas. Et aujourd'hui, on va aller faire une croisière en bateau. Et après, bon, on verra bien ce qu'on va faire. De toute façon, dans quelques jours, on va aller dans une autre ville. Donc là, on est un peu fatigué. On a juste hâte d'aller dans une autre ville pour continuer nos vacances. A plus. Mes dates, malgré tout, sont toujours bien. Là, on attend notre Uber. C'est vrai que l'Uber, ça coûte pas cher. Mais quand vous devez en prendre 3 à 4 fois par jour, c'est vrai que ça devient un peu cher. Bon, je ne sais pas comparer que par vacances. D'office, dès le début, on va louer une voiture. What do you want? Oh! Parce que c'est un budget quand même, Uber. Même si c'est pas cher, c'est des courses de 5 à 10 euros. Mais quand ça s'accumule, ça devient un peu cher. Ding, ding. Tellement charbonné pendant ces 11 mois, bébé, à nous ce mois de bécache. Chérie, fais nos valises demain, la destination est à CDG. Prends tes OOTD pour poster chaque dé, mon bébé. Bébé, n'oublie pas les combats à cash, sans règles, sans arbitre. Prends ton maillot, fais ton maillot. Fais ton maillot, prends ton maillot, fais-moi de l'effet. J'suis totalement en I comme la tour Eiffel. Pardon, laisse-moi te pencher comme la tour de Pise. Hey, hey, ce mois béqué, béqué, béqué. La vie de touriste, on est en train de chercher la station de métro. Ou bien là, on peut prendre le bus. Pour une fois, on va prendre le bus. Uber, ça commence à nous coûter un peu trop cher. Au final, on va juste prendre un Uber. Parce que trop la flemme d'attendre aussi. Parce que le bus au final ça coûte 3 euros par personne et le Uber ça revient à 5 euros pour deux personnes. Mais il nous dépose devant la porte. Ouais, il nous dépose devant la porte. Tu vois, je t'avais dit Uber c'est la base. Ça, ça ment. Pas toujours, hein. 3 euros. 3 euros pour aller loin, ça va encore mieux que. Ouais, si on va aller loin, c'est mieux de prendre un. C'est plus avantageux, mais là on n'est pas loin de chez nous en voiture. On va prendre un Uber, il nous dépose juste devant la maison au lieu de prendre un bus 3 euros par personne. Alors, on vient d'arriver dans un restaurant qui s'appelle, ça s'appelle comment encore? La Fichier là? Bref, je vais écrire. C'est un restaurant mexicain, donc là on va manger des petits tacos, etc., etc. Et après ça, on va aller boire un petit verre dans le quartier. Joanie, toujours avec son cœur dedans. Tu l'as ramené jusqu'ici. Ce monsieur voulait absolument nous vendre de la coke. Il est venu vers nous, il était là, do you want some coke, en la regardant en mode non merci, on n'en veut pas. Aujourd'hui, on est lundi. Hier, j'ai pas pu faire une vidéo de fin. On était trop fatigués, on était sortis. On a bu, on a mangé, on a bu quelques verres. Super fatigués. Et ce matin, c'est Monsieur Giovanni qui nous fait le petit-déj. La place de l'homme, c'est où? C'est à la cuisine. C'est des hommes comme ça qu'on veut. Des hommes qui font le petit-déj le matin à leur femme. Non mais j'aime bien. Un peu vraiment. C'est vraiment un homme à marier. Et donc aujourd'hui, on va aller récupérer la voiture qu'on avait louée. On va aller à Albufeira. Diesel, gasoline. Gasoline, gasoline. Gasoline, okay. Okay.
Petrol, okay? Petrol. Petrol, okay. Green 95. Okay. Okay? 95. Enfin, on a pris notre voiture de location. Fini la vie d'Uber parce que c'était trop chiant. Ça coûtait pas cher, mais comme j'ai dit au tout début, au bout d'un moment, ça s'accumule et ça devient un peu cher, des 5 euros, 5 euros, 10 euros, etc. C'est bon, t'es contente, t'as ta voiture ? Enfin, ouais. Enfin, on vient d'arriver à Albufeira, on est fatigué. C'était 2 heures de route en voiture, mais on dirait que c'était les 2 heures les plus longues de notre vie. Mais ça va, par la grâce de Dieu, on est bien arrivé. Maintenant, eux, ils nous demandent de mettre du mascara. Je ne vais pas mettre du mascara, moi. Ils ont des mascaras. Ici? 405? Oh mon dieu, je suis choquée! Et donc, c'est pas, il nous a donné la carte pour une chambre, mais il y avait déjà des gens. Pardon. Là, on attend. Donc, là, Léa va repartir à la réception, nous redonner notre carte et notre chambre. Bon, on était arrivé à l'hôtel, mais ils ont fait une erreur, ils ont donné notre chambre à d'autres personnes. Donc là, ils nous ont réglé un autre hôtel pas loin de l'hôtel qu'on avait réservé. On va y aller. On a quand même été exigeant. On a dit quand même, on avait pris un appartement avec une piscine. Donc là-bas aussi, on veut quelque chose avec une piscine et de bonnes conditions. Donc on va aller voir. C'est notre nouveau quartier. Ah ouais, c'est le place to be. Hein. L'appartement qu'on nous a pris, il est bien, ça va. Tout, ça devrait, voilà. Le salon. Quoi? Aujourd'hui, on va faire 2 activités. Première activité, voilà la plage. Mais tu m'avais dit qu'on allait voir les chutes, je sais pas quoi là. Ouais, mais on va pas aller. Non. Bon, c'est trop loin. Et ensuite, on va aller dans un parc aquatique. Ça, j'ai trop hâte depuis le début. J'ai trop hâte d'y aller. Magnifique le paysage, waouh! Tout ce que Dieu a créé est vraiment beau. Trop beau! Ici, il faut le faire à 4 pattes. Ici, on est dans Koh Lanta. Attention. Ouais.
Ouais, lui il a à poil carrément. T'es chaud? Bah, si, si, si tu veux, tu peux même t'asseoir. La vie qu'on a choisie. La vie des touristes. Bon, moi, je vais arrêter de fumer, sinon je vais tomber. Glisser un peu. Voilà. Voilà, tu te laisses glisser encore. Comme ça. J'ai peur de trop glisser. Non, non, non. Glisse vers ici. Glisse vers là. Ouais. Vas-y, saute, tu peux. Glisse, glisse. Glisse vers la, vers ta gauche. Glisse vers ta gauche. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour ça. Je vais te faire danser comme une fille de Rio. Pardon, laisse-moi toucher ton corps humide comme Venise. Laisse-moi toucher ton corps. On vient d'arriver. On va s'amuser comme des petits enfants. C'est la vie que tu mérites, que d'ici ce n'est pas le temps. Sans oublier les jeux du soir, les jeux du soir. Eh, c'est super bien ici, c'est juste dommage en fait qu'on peut pas filmer dans les manèges. Mais bon, tout à l'heure j'ai filmé vite fait en cachette, après à la fin quand je suis descendue, le monsieur m'a dit que c'était interdit de filmer. Hello, hello, on vient de terminer l'activité, la tête qu'on a, on est tout gris, on dirait on n'a pas mis de la crème. C'était trop bien, franchement je recommande cette activité 10 sur 10, pour l'instant c'est la meilleure activité que j'ai fait ici. Dommage qu'on n'a pas pu filmer dans tous les toboggans, bon en fait on n'avait pas le droit de filmer, mais j'ai juste filmé une fois lors du premier toboggan que j'ai fait, après le reste c'était pas possible, mais c'était trop bien. À Lisbonne, là on va manger des sushis. Je suis une très grande amoureuse des sushis. Je vais goûter les sushis de Lisbonne pour vous dire s'ils sont meilleurs, que c'est de la Belgique ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, le service il est trop bien. Voilà, c'est notre dernier jour dans notre appartement, on va partir. C'était un très bon séjour et cet appartement il était vraiment bien, je le recommande. Par contre l'appartement que nous on avait il était au toit, donc la chambre si vous êtes super grand ça va être chaud en fait, sinon votre tête elle va tout le temps se cogner contre le toit, mais sinon c'était magnifique, rien à dire. Et voilà, on a quand même laissé l'appartement en bon état, j'ai trié, j'ai déjà mis toutes les serviettes sales et les draps sales dans un côté. Je trouve ça important de bien laisser l'appartement dans un bon état. C'est vrai qu'il y a des femmes de ménage, mais bon, si on peut leur faciliter la tâche, on va le faire.
fin de ce vlog. J'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas à liker, commenter et à partager. Si vous avez plus de questions à me poser concernant les tests PCR, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et d'ailleurs, je vais épingler un commentaire où je vais vous demander de nous poser des questions à mon mari et moi, parce que bientôt, on va faire un husband et wife type. À plus.